Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui sur cette chaîne YouTube Bipositive. Ça fait à peu près 3 mois. La dernière vidéo date d'il y a 3 mois, je vous annonçais du nouveau sur la chaîne mais je ne l'ai pas fait. Donc aujourd'hui je vous annonce du nouveau sur la chaîne YouTube Bipositive. Il est temps un petit peu de la dépoussiérer cette vidéo, donc c'est parti, jingle. Expliquer, on va dépoussiérer un petit peu cette chaîne YouTube parce que ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Comme je vous ai montré, ça fait à peu près 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo et j'avais prévu de faire plein de choses. Mais évidemment, j'ai eu beaucoup de contretemps, j'ai fait pas mal de boulot, je me suis un petit peu encore perdu, j'ai fait pas mal de choses et je suis en train de déménager en ce moment. Alors comme vous voyez, je suis plus du tout dans mon environnement qu'il y avait avant. Aujourd'hui, je suis officiellement chez moi aussi et chez ma copine. Donc voilà, on est à Limoges. J'ai déménagé à Limoges. Et c'est trop bien. Donc là, vous voyez sur ma gauche, il y a une bibliothèque remplie de livres que j'avais déjà sur Brive dans mon appartement. Et c'est en quelque sorte un petit peu les prémices de ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube. Donc ça, c'est le premier projet dont je vais vous parler très très brièvement. Je vais du coup sur cette chaîne YouTube parler de ces livres, vous parler un petit peu de ma liste de livres. Donc si vous remontez dans mes premières vidéos, j'avais fait déjà une liste de livres. Et cette liste de livres, comme vous pouvez le voir, a vachement avancé, donc vachement grandi. Il y a d'autres livres qui ne sont pas encore là, mais que je vais pas tarder à ramener. Et du coup, j'avais envie de vous en parler, vous parler un petit peu de tous ces bouquins, vous inciter peut-être à les acheter, à vous montrer un petit peu comment le développement personnel peut impacter notre vie, rien que déjà par le biais de livres, de bouquins. Donc c'est ça qui est pas mal. Ensuite, deuxième projet. Le deuxième projet, j'en avais parlé aussi sur cette chaîne YouTube il y a 3 mois, c'était de prendre le livre « La magie » de Rhonda Byrne, donc le livre qui est après Le Secret, sur le pouvoir de la gratitude et de vous faire une série de vidéos. C'était 28 vidéos, parce qu'il y a 28 jours dans ce livre, et j'avais envie de vous faire 28 vidéos. J'avais commencé à le faire, et puis j'ai eu pas mal de difficultés à le reprendre, à le mettre en place. Donc les vidéos ne sont pas stoppées, mais je vais le refaire. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette série de vidéos, donc vous inquiétez pas, la playlist La Magie va bientôt être remplie. En attendant, n'hésitez pas à l'acheter, et puis moi après derrière, je vous inciterai à le faire. Je vous mets le lien dans la description du livre La Magie. Et le troisième projet qui me tient très très à cœur ces derniers temps, puisque comme vous savez, cette chaîne YouTube à l'origine était réservée au défi des 100 jours, car c'est grâce au défi des 100 jours que j'ai commencé le développement personnel et que j'en suis aujourd'hui à ça dans ma vie, dans la vidéo, dans tout, d'inspirer les gens et tout ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, j'adore inspirer les gens, j'adore renseigner les gens, et il y en a beaucoup qui me connaissent par le biais de ce défi des 100 jours. Donc il est peut-être temps aujourd'hui de continuer un petit peu le défi des 100 jours et de continuer cette série de vidéos que je faisais il y a 7 ans, que j'ai commencé il y a 7-8 ans et que je n'ai jamais continué vraiment. Donc j'en suis à la saison 13 et la saison 13, comme vous pouvez le voir, elle a commencé mais elle ne s'est jamais terminée. Donc du coup, je vais la rattaquer et j'aimerais la rattaquer avec vous. Donc ce projet du défi des 100 jours, j'en parlerai avec Lilou Massé si elle est d'accord, ça serait de peut-être en faire des ateliers, donc des mini-conférences, bien sûr avec l'accord de Lilou Massé, pour justement interagir avec vous, vous inciter à le faire, parce qu'il n'y a pas que le défi des 100 jours avec le cahier d'exercice pour une vie extraordinaire, il y a aussi pour l'argent, pour développer son intuition, pour l'alimentation et tout ça. Donc j'aimerais vous amener à commencer par le défi des 100 jours, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par le défi des 100 jours et c'est franchement le top. Et j'aimerais continuer encore le défi des 100 jours parce que j'adore le faire. Voilà, donc c'est un petit peu ce dépoussiérage de chaîne YouTube que j'ai l'intention de faire dans les prochaines journées, semaines, mois à venir. Vraiment peut-être plus m'investir dans cette chaîne YouTube que je le faisais avant. Ça va être dur, mais je vais le faire. Peut-être par le biais de cette caméra 360 ou par le biais d'autres caméras, on verra. Je ferai sûrement ça d'abord et puis après, voilà, pour essayer de pas trop perdre de temps, vous faire des vidéos comme ça, longues, peut-être sans musique ou avec un petit générique très rapide. Et après, les plus grosses vidéos retravaillées où j'ai le temps et tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce qui va se passer. Donc premier projet, ça va être la liste de livres à mettre en place. Le deuxième projet, ça va être la série de vidéos sur la magie. Et le troisième projet, ça va être le cahier d'exercice du défi des 100 jours. Je pense recommencer cette saison très prochainement. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour suivre les prochaines actualités.
Et puis voilà, moi je pense que j'ai rien d'autre à dire. J'ai plus rien d'autre à dire parce que ça va être juste quelque chose d'énorme et d'extraordinaire. Mais c'est le but en fait de cette chaîne YouTube, c'est de vous positiver et de vous faire vivre des choses extraordinaires telles que moi je les vis. Voilà, donc je vous fais de gros bisous à tous et toutes. J'espère que je n'ai rien oublié. Et puis voilà, il y a eu un gros blanc, je suis désolé. Merci infiniment et je vous dis à la prochaine les amis. Bye!